politiques et sociales des organisations de la société civile et de la diaspora réunies dans le cadre de la dynamique pour l'unité d'action en rapport avec la situation politique de l'heure en République démocratique du Congo. Les forces politiques et sociales des organisations de la société civile et de la diaspora réunies dans le cadre de la dynamique pour l'unité d'action ont fait le point ce dimanche 21 juin 2015 à la paroisse Fatima à la Gombe sur le combat et la lutte pour l'émergence et la consolidation d'une véritable démocratie dans notre pays et l'établissement d'un état de droit. Les forces politiques et sociales de l'opposition se félicitent de la prise de conscience du peuple congolais qui n'a cédé d'un iota en résistant héroïquement à toutes les manœuvres et stratagèmes menées par M. Kabila de rester au pouvoir en violation de la Constitution. Elle salue ce refus vaillant du peuple congolais de ne pas céder aux manigances tendant à faire croire qu'il fallait absolument réviser la Constitution, plus précisément les dispositions intangibles, afin d'éviter à la nation une certaine inanition. Loin de se décourager, le président de la République et son camp cherchent à tripatouiller la Constitution avec des projets de révision de ses dispositions verrouillées, tels que les articles 5, 197 et 220, en proposant tantôt de feuilles de route déroutantes produites par la CENI à des scénarios tantôt de projets de transformation de suffrage direct en suffrage indirect, tantôt de pseudo-référendums ou encore de pétitions pour l'élaboration d'une nouvelle constitution et encore enfin par la publication d'un calendrier partiel et d'une incohérence criante. Ces manœuvres vont continuer à travers les dépôts d'un projet de loi modifiant la loi électorale par la création de structures opportunistes telles que l'ONIP afin de bloquer sciemment le processus électoral. Après cet échec, le président de la République et son camp va présenter dans une précipitation et imposer son adoption dans la perspective confusionniste une loi de programmation de l'installation de nouvelles provinces et de délimitation de nouvelles entités. L'action machiavélique menée par M. Kabila passera ensuite par la CENI qui, en bras séculier du pouvoir, va publier un calendrier global volontairement irréaliste, inconstitutionnel, hypothétique, voire dangereux, mensonger et non consensuel, malgré les appels répétés, réitérés de l'opposition, mais la CENI, instrumentalisée, qui a déjà consommé plus de 24 mois non opérationnels dans la mise en œuvre du calendrier, refusera toute discussion avec l'opposition pour arriver à un calendrier réaliste et consensuel. Loin de s'avouer vaincu, il sait, malgré la volonté exprimée par le peuple congolais entre le 19 et le 25 janvier 2015, l'expression du peuple qui a coûté à la nation de nombreux morts, dont certains sont certainement enterrés dans le charnier de Maluku, que le pouvoir refuse d'exhumer en dépit des appels réitérés de l'opposition de la communauté internationale. Le président de la République va envoyer, en exécutant des opérations clandestines du pouvoir, pour proposer visiblement, en désespoir de cause, des stratégies de soi-disant consultation en vue d'un éventuel dialogue sur des questions qui relèvent pourtant de la compétence constitutionnelle et de la responsabilité de la CENI, à savoir le calendrier électoral, l'enrôlement de nouveaux majeurs et la mise à jour du fichier électoral. Et enfin, la sécurité des opérations électorales auxquelles il faut ajouter la question du financement du cycle électoral. Ainsi, face à l'intransigeance de l'opposition et la vigilance du peuple congolais,
M. Kabila, qui a dilapidé d'énormes fonds de la République en mars 2013 pour organiser les concertations nationales qui ont donné lieu à plus de 769 recommandations qui, du reste, n'ont jamais été appliquées même à 10% et demeurent à ce jour dans les placards de la présidence de la République, et de même la mise en place d'un gouvernement de débauchage et de désunion nationale. Le président de la République veut donc utiliser de nouvelles consultations ou dialogues pour distraire le peuple congolais et trouver probablement des alliés qui vont l'accompagner dans son plan inconstitutionnel de glissement politique dans le but inavoué de demeurer éternellement au pouvoir en violation flagrante de la Constitution dont il est censé pourtant en être le gardien et le garant au terme de l'article 74. Les forces politiques et sociales ne peuvent s'empêcher de constater l'échec de la dernière trouvaille. Et face à cet échec, il lui vient d'imposer la convocation de deux chambres en une session extraordinaire du Parlement soumis à son dictat, dont l'ordre du jour serait de débattre du projet de loi sur la répartition des sièges aux élections municipales, urbaines et locales. Texte qui a été en toute indépendance rejeté par la plénière de l'Assemblée nationale pour ses incohérences, ses erreurs, ses faussetés et tricheries grossières. L'objectif du président de la République quant à ce qui précède n'est nullement l'examen de la loi en soi, mais expressément de créer une boursouflure et un gonflement inutile du calendrier qui est devenu obsolète et totalement dépassé en ce qui concerne notamment la tenue des élections locales, municipales, dont les textes devraient être adoptés et promulgués au plus tard au 20 avril de cette année. Face à cette situation grave d'une boulimie du pouvoir et des stratégies mal orchestrées et en violation de la Constitution visant à monopoliser, à conserver et à patrimonialiser le pouvoir, les forces politiques et sociales, les organisations de la société civile et de la diaspora réunies ce jour dans le cadre de la dynamique pour l'unité d'action demandent 1. Au groupe parlementaire de l'opposition de s'abstenir de participer à cette session extraordinaire convoquée dans l'unique but d'obtenir le glissement des élections présidentielles et législatives. Face à cette situation grave d'une boulimie du pouvoir et des stratégies mal orchestrées et en violation de la Constitution pour monopoliser et conserver, patrimonialiser le pouvoir, les forces politiques et sociales des organisations de la société civile et de la diaspora réunies ces jours dans le cadre de la dynamique pour l'unité d'action demandent 1. Au groupe parlementaire de l'opposition de s'abstenir de participer à cette session extraordinaire convoquée uniquement dans le but d'obtenir le glissement des élections présidentielles et législatives de 2016, et ce d'autant que l'opposition exige comme préalable la mise à jour du fichier électoral, en ce compris l'enrôlement de nouveaux majeurs de 18 à 25 ans, conformément à l'article 5 de la Constitution. 2. Les forces sociales persistent dans l'urgence de leur exigence de réanimer la commission tripartite autour de la CENI entre l'opposition et la majorité, annoncée depuis le 25 mai 2015, pour examiner les questions soulevées dans leur mémo du 27 avril en rapport avec l'organisation des élections et du cycle électoral dans notre pays. 3. Les forces politiques et sociales, les organisations de la société civile et de la diaspora invitent M. Kabila à se rappeler le sens de son serment qu'il a prêté devant Dieu et la nation, d'observer et de défendre la Constitution
et les lois de la République. Le non-respect de ce serment constitue une infraction de haute trahison conformément à l'esprit de l'État. Déplorons et condamnons de la manière la plus ferme le refoulement de l'artiste ivoirien Tiken Jan Fakoly, de renommée internationale, par les services d'immigration sous ordre du gouvernement congolais à l'aéroport de Ndjili, et pourtant lui et son groupe étaient détenteurs de visas régulièrement octroyés par la RDC en violation de notre tradition de pays légèrement hospitalier. Ceci constitue une violation de droits de l'homme qui prouve encore une fois de plus que le gouvernement exerce son autorité avec terreur au mépris du droit congolais et des instruments internationaux. C'est un secret de polichinelle de rechercher les raisons mesquines de refouler ce vaillant fils d'Afrique pendant que toute l'opinion nationale et internationale sait que ce dernier mène un combat contre le troisième mandat partout en Afrique en violation des textes fondamentaux qui organisent nos pays et qui croit que l'alternance est une valeur essentielle pour le développement de l'Afrique et de ses peuples. Les forces politiques et sociales disent toute leur compassion et lui assurent que ce n'est qu'une partie remise. Enfin, nous encourageons la communauté internationale et appelons à être à côté du peuple congolais pour l'aider à préserver ses acquis de la démocratie et de sa souveraineté, ainsi que la paix et la sécurité internationale. Enfin, nous en appelons au peuple congolais à rester vigilant et à s'armer du courage pour barrer la route à tout imposteur ou à un groupe qui tentera de conserver et d'exercer le pouvoir en violation de notre constitution. Seule la lutte libère. Que Dieu bénisse et protège la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Doit être constructive devant une situation qui peut vous amener à la violation de la Constitution. Vous prenez vos responsabilités. C'est ce que nous venons de faire aujourd'hui. Ici, là, nous avons pris nos responsabilités. Nous refusons de préparer des lits à M. Kabila qui se retrouve au-delà du timing constitutionnel. Alors, que faire vraiment selon vous pour qu'il y ait une solution qui est déjà acceptée par tout comme votre proposition? Bon, c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous savez, personnellement, et même pas personnellement, nous à l'UDPS, nous sommes d'accord à un dialogue. Mais un dialogue sous les bons offices de la communauté internationale. Et alors, à ce sujet-là, nous estimons que c'est une solution idoine. Au lieu d'attendre, la maison est en train de brûler, vous croisez les bras. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Merci. Non, il ne s'agit pas de dire non. Il y a des raisons qui ont été données. Moi, je pense que on ne peut pas aller aux élections, c'est vrai. Personne n'est contre, parce que là, c'est en fait une espèce d'intoxication pour dire l'opposition dit non, non, non. Ça a été clair, le dialogue oui, une médiation internationale et aussi savoir de quoi nous allons parler. Mais qu'est-ce que nous constatons en lieu et place?
de baliser le chemin pour le vrai dialogue inclusif avec une médiation surtout internationale pour éviter de vivre la situation de concertation où Kabila qui est problème, parce que si nous parlons du dialogue ici, c'est parce qu'il y a un problème de crise de légitimité. La première chose, c'est ça, à ne pas oublier. Pourquoi est-ce qu'il y a dialogue? Pourquoi est-ce qu'on essaie de réconcilier les Congolais? C'est parce qu'il y a un camp qui pense que leur victoire leur avait été volée. C'est-à-dire c'est le camp Tshisekedi. Et les autres opposants, même Vital Kamerhe, au lendemain de la publication des résultats, il avait dit tout haut et fort que c'est Tshisekedi qui avait gagné les élections. Et à partir de là, nous sommes en crise de légitimité. Pour maintenant essayer de régler ce problème de crise de légitimité, voilà pourquoi il y a un problème de dialogue qui a été justement, qui est une des résolutions de l'accord cadre d'Addis Abeba. Il s'agit de... C'est des faits déjà être mis en application depuis plus de trois ans. Mais M. Kabila est en train de tirer les choses en longueur justement pour nous amener au glissement. Et les Congolais, il ouvre, en tout cas, il est vigilant pour comprendre toutes ces manigances-là. Voilà pourquoi nous disons, il y a des problèmes de fichiers électoraux qu'il faut nettoyer. Il y a des jeunes, plus ou moins 8 millions de Congolais qui sont arrivés à l'âge de voter. Tous ces gens-là, tous ces problèmes-là doivent d'abord être réglés avant de pour parler du dialogue avec conditions de la médiation internationale. Mais nous constatons que le président de la République, c'est vrai, il dit une chose et son contraire, il veut le dialoguer, mais dialoguer, il y a des préalables. Et ces préalables-là, tant que ces préalables-là n'ont pas trouvé solution, nous pensons que c'est une perte de temps pour nous amener toujours à la violation de la Constitution qui dit qu'un président ne peut pas faire plus de deux mandats. Autrement, tout ce que nous voyons ici, c'est pour nous amener à un troisième mandat que nous ne voulons pas et c'est anticonstitutionnel. Donc ce n'est pas dire non pour le non. C'est une constitution. Nous devons la respecter. Le président de la République avait prêté serment pour dire qu'il est le garant de la constitution. Elle est sacrée, cette constitution. Tout le monde est obligé de la respecter. En ce qui concerne les élections présidentielles, c'est clair et net, pas plus de deux mandats. Les manigances que nous voyons ici, concertation, on commence à consulter l'arrière-pays, mais nous avons une Assemblée nationale qui représente le peuple congolais ici. Donc les députés de l'opposition ont dit niet, ils ne veulent pas de ces contestations. Ils ont même refusé de rencontrer le président parce qu'ils trouvent que c'est des échappatoires. Nous avons un problème à régler, la crise de légitimité. Si dialogue il y aura, l'opposition n'a jamais dit non. Parce que l'UDPS avait déjà sa feuille de route. Nous sommes MPP, l'allié de l'UDPS. Mais il y a des conditions. Félix Tshisekedi avait été clair. Il veut d'abord voir clair une médiation. Vous ne pouvez pas être problème. Vous-même, juge et problème est parti. Le problème ici, c'est Kabila veut faire juge et parti. Il est le problème. C'est lui qui est à la base de tout ce que nous connaissons à cause de la crise. Tshisekedi a gagné les élections et on lui a volé son élection, son fauteuil présidentiel. C'est ça le problème. Nous disons dialogue, oui, mais avec une médiation internationale. Vous ne pouvez pas avoir un match de Vita Imana avec un arbitre Vita Ok, merci, maman. C'est clair, la médiation internationale. Ok, merci, maman. Je te demande de faire des déclarations. Nous avons la précipitation à ma case. Nous avons une élection. Pour la section extraordinaire. Oyo, Balingi, va convoquer pour que la manœuvre na bangondenge bazoluka par tous les moyens. Il y a qu'à tricher. Alors, c'est pour cela que nous avons dit. Celui qui est opposant, un député opposant, ne doit pas assister pour favoriser et donner les béquilles à ces gens-là pour qu'ils puissent. Pour qu'ils puissent quand même tricher. C'est pour qu'ils puissent revoir les élections présidentielles et tout ça pour la tricherie. C'est pour cela que nous avons dit. À la clôture de tous les députés, Baloba qui que bazo kende, si septembre, ne va pas traiter le problème. Les lots de surtout qui vont convoquer une session extraordinaire pour profiter de ça, le glissement de Bango, de la pour que le peuple congolais a continué à passer. Pour le mandat de Bango, va prolonger le sous-sous, pour la transition, et comme à 3 ans, va faire le pouvoir de Tolobi, non. Bao ya biso ba kokende te bao yo balingi peuple bao yo balingi nation oyo RDC ba kokende te mais opposant oyo
Initiative à dialogue et la communauté internationale par rapport à conflit, à confrontation, ils arrivent à quoi? Les résolutions 24-18, les Sénat qui m'a dialogue, à quoi il a dit ça bien? Et vous soutenez le dialogue? Résolution 21, quand m'a dit que les problèmes sont les problèmes. Besoin de Sénat qui a monté, besoin de la communauté internationale. Besoin de appuyer la démarche parce que tout ça va tout ça rébellion, tout ça va 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 tout ça pour que tu décantes le problème ou le conflit ou tout ça, n'importe quoi, la Kenya. Mais Ndeko Kabila a multiplié le problème. À part le problème de l'élection, a multiplié le problème. Alors, n'a pas problème où Ndeko Kabila a multiplié. Ndé Salike, n'importe quoi, tu as un mobile ou l'élo. Bâtir l'élo Congo en désordre. À ce niveau, tout seul, l'année dernière. Bah, combattant la bise au Kanga, bah, ça me sert à monter, bah, ça n'a plus jamais battu. Attaque injustice, il va président partir nous sous battant là bas président va partir va kangi bango batamine mais ngai natala ka mingi ba combattant ba unité de ba troupes qui dans ce terrain ba kangami basé belé ba sambaté ba innocent ba lokota bana police ba kangi bango ndengwa ba tondi na aner ba tondi na prison maka ukanga bana wana basalini suyo solo na biso na bana bana kasho aussi mate et jana ba opposa o bobote la ba wanda bana. Pour des raisons et tellement mbokati. Quand on était mamabe. Ce que vous avez dit, c'est que vous avez opposé au babou et même moyen que les provinces ne sont pas interdites à les provinces. Comprendre? Donc, le problème, c'est que la chaîne n'a pas d'opposition. Il y a une catholique, RLTV, Canal Kin, rien. Canal Fiti, rien. Comprendre? Il ne faut pas faire la chaîne, il faut que le cardinal se déplace avec nos cinq. Non! Comprendre? Ndeko Kabila soit dans mon thème à l'âme, aux anabas congolais, à libérer Batouba dans ma cachou, et ça dernier mandat. Attique à peuple libre, sur le peuple rogolé, peuple rogolé, mais qu'on continue à imposer peuple. Ndé le roumabé, tout le monde n'est pas d'ailleurs. Constitution, c'est clair. Bah, cette tentative est belle, aussi. Mais c'est une occasion pour n'aille, bisous de boy à constituer, parce que position à bisous, ça y est bien. Maramou est telle élection, tout de suite, on se qui, mémorandum, la CENI. CENI, tout de la CENI à répondre bisous. Ce n'est pas une majorité de Ndeko Kabila Tété. Séparation des pouvoirs des alliés. Ce n'est pas une institution d'appui à la démocratie. Ce n'est pas là par rapport à l'avancement de la démocratie. Est-ce qu'il s'est répondu dans le mémorandum? Il s'est répondu dans le mémorandum. Ce n'est pas un dialogue de Ndeko Kabila Tété pour qu'il réponde dans la demande au Bissot Sali. Donc, demande au Bissot Sali n'est pas décanté par le problème. Et ça n'a pas de organisation avec l'élection. Ils en ont dialogué. Donc, toujours comprendre, est-ce que c'est n'est que ça, ils ont la présidence de la République.
CENI est à côté du gouvernement, CENI est à la majorité, Tony. Pourquoi CENI est répondre à Bussoté na la demande de Bussoté? Pourquoi? Si on est au câble de devant, normalement, on est équipé de la zone ici. On est normalement pas malade, il y a convalescent. Pas permis, ça y est. Et tu as des centaines de critiques, forcé, et tu as un droit à repos. Non, tu as un droit à repos. Pas permis, ça ne va pas malade. Si il faut revoir CENI, tu revois CENI. Donc, le problème est que c'est un mot simple. Mais, on a besoin de majorité. Il y a des gens qui ont été il y a une consultation dans le président Kabila. Il y a un Kabila comme un gouverneur. Gouverneur qui dit que c'est un bougoumès. Oh! Bon, on a une occasion pour le Kabila. On a profité quand on a l'occasion. On a prononcé que non, il y a une volonté du peuple congolais. On a un candidat en 2016. On a un bout de salaire en 2024, en 2090. On a vu congé à un père. Il n'y a pas un congé à majorité. Pour permettre la majorité. Ceux qui vont prendre un candidat Moussous, vont prendre un candidat Moussous. Mais il y a la candidaté en 2016. Il permet de payer que l'élection seulement en 2016. Et on a une bonne occasion pour aller à se prononcer. Mais ce que je veux dire, il y a Ali Foreman à. Il y a un robot. Il y a un robot parce que tu as une force, collègue. Il y a un robot. 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 Pour toi, on a force, moi, donc. Pour toi, on a bon, on a mais pour les opposition, il faut s'agiter. Il y a mon corps. 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 Il y a ma déclaration qui est qui t'es. Vous avez une loi électorale pour tripoter, pour dénoncer. Des agitations, t'es. Vous avez une loi qui est mise en place dans ma nouvelle province. Pour dénoncer, bah. À manière présente à 4, les agitations. Répartition, il y a un siège. Même moi, tout ça, des déclarations de dénoncer. Les agitations. Nous faisons notre rôle, il y a acteurs politiques de l'opposition. Et c'est quand même les alliés pour dénoncer. Dénoncer. Il y a seulement un bon cas, tout le monde en 6e, au sous monde, il y a un bon cas, la télévision, Guy Marin. À l'objet que non, on a droit à le raconter et de pester aux ananas. On a né le coco à Macamboy, à l'obake, à Mamoyamobake, à Mamar, Félix, les Andéguenines. Bon, de quoi on a ébiété? En tout cas, Ngaï, banane, il a pesté la tire au monde et il parle. On a ébiété? Comprendre? À l'objet de ta histoire, on va parcourir Ngaï, mais on va dire Ngaï, au sentir que. Asa a IDP cité. Comprends? Asa a IDP cité. Parce que Moutou Asa membre a IDP. Bus tout au côté de l'IDP, tout au côté de l'IDP, c'est la 10e rue. Comprends? Nous pas on est à la gare à Moutanda. Moutanda a fait ça dans les IDP. Donc, tout au côté de l'IDP, c'est que nous pas on est à Moutanda, mais Asa permanence a IDP. Ce que nous avons IDP, jamais on le voit que non. Permanence IDP, c'est le moins la 10e rue et comme il y a des bonhommes. Pour dire que les gens vivent à l'obaza, parti des alliés, parti des décisions en Adé. Pour déplacer siège, il y a parti. Et ça, la compétence, il y en a. Donc, un membre de l'IDP a cru qu'on ignorait le statut IDP. IDP, c'est un parti politique. Et ça, la statut, et ça, le règlement d'ordre intérieur. Qui a qualité de déplacer le siège du parti? Et ça, Valentin Moubake, toi, il y a un ce n'est pas bien. Bandeko, on a un loba, on a un loba, on a un kivu. Valentin, on a un kivu, il y a un kivu. Tu sais que dans 2011, dans l'élection, il y a un bon hôtel. Bon, on va penser que Moubake, une équipe, un kivu, pour nous loger le président de Tshisekedi, il y a un bon hôtel. Ce que tu dis, Bandeko va déplacer le président de Tshisekedi na Kivu ba koyebisa ke mbake ali ambongo na ma na joki nani individu yo tanga kombwa jimara eh donc ba ngone ba ali ambongo ya hotel tanga no mbongo ya hotel ya président boke ali ambongo ande ngwan il a fallu les hommes de bonne volonté, il a fallu d'autres personnes ba ya au secours à président de Tshisekedi pour na logement na bon, on va dire que Baba leader na Kivu. Baba leader, collègue Kamere na Kivu.
Bon, si vous avez une bonne bataille, vous avez une bonne bataille. 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 Vous avez Bado finga Félix. Donc anniversaire na bisoza ndeko kabila PPRD na majorité. Kuna ba finga raté. Po bango baza ba soile. Bango baza ma cash so sakana bakana uzu. Ngazo sakana ngolimu sayo pouvoir za rabiso. Muni batumi babanga bango po baba soile ba solo lana ba service. Ozomona. Ba zo mo astuce wana ki soile. Bango zo ko la arme na baba bangi sakabato. Or ba komata ide pesi. Ba banga kabila tina équipe na yi. E bango yo individu fandia. Na bango donc, ils ont mentalité mokoyamabe. Un homme politique sera dans la télévision et ils allaient pour appeler sa message. Dans le peuple congolais, ils ont pour défendre le parti naïe, à défendre le projet de société et vision. Il y a l'idée. Nous avons dit que l'IDPS est la même chose. Comprendre? Tout cadre au sein de l'IDPS a la qualité et a beaucoup de choses à l'IDPS. Donc, nous avons besoin de nous aller à l'IDPS à l'IDPS. Pour les membres de l'IDPS, c'est jusqu'à preuve du contraire, cadre honoraire. Vous voyez, on continue dans le monde. C'est qu'il y a une élection champion du Congo. Nego Nixon. Et ça, le grand blague, il champion du Congo. Donc, il y a une ville qui est en Congo, en ébullition, soutien à Tchèn Tshisekedi. Et ça, le regroupement politique, il y a des députés nationaux. Donc, comment on a souhaité soutenir Tchèn Tshisekedi? On peut savoir comment on a dit Tchèn Tshisekedi. Il y a jalousie. Il y a solo. Donc, il y a un peu de temps. Comprenez? Ce qui est le cas, c'est la politique. Il y a un peu de temps. 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 Il y a mais il y a trois jours, il y a un autre paraître, qu'est-ce que ça mourra? Il y a un autre paraître, le président est mourra. Donc, au Tiki, il y a un autre paraître, 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 il y a un autre sans autorisation. Hein? Au Tiki, il y a un autre paraître, il y a un autre paraître, il y a un autre paraître. Ah, congolais, il y a un autre paraître, gouvernement, il y a un autre paraître. Et il faut appauvrir les Congolais. Les Congolais vont vivre à Matolo. Ils vont vivre à Gréco. Je ne sais pas si je suis à Matolo. Donc, vivre les Congolais, ils vivent à salaire, ils vivent à Matolo. Comprendre? Donc, Matolo est comme partout. Ma tata pour un cadre macroéconomique. Il y a un cadre macroéconomique. Il y a un cadre macroéconomique. Tout le monde a un salaire à vivre bien à Zad. Nous allons continuer dans la présidence de la République. Bana mure bakone maleta na paiement prime za de mia. Et ça danger. Donc il y a individu na moni ya ngote. Ya monika mama mata du 400,000. Mama mata li mbongo ya Imperium. Oh. Yo mama moni talio nani? Est-ce que bato Imperium ba celle que progression spéciale? Pour ayo défendre mama Imperium. To yo il faut hôtel et mela. Bande quoi majorité? Pour le pouvoir, nous avons arraché. Allez, la télévision attaquer ni Kabila, ni régime, ni gouvernement. Et nous avons dit, hier, on s'est attaqué à la Félix. Non, maman, non, non, non. Nous avons dit, il faut pas nous avons dit, 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 nous Il y a seulement un peu de temps. Mais, si tu es champion du Congo, tu as vu la Kinshasa dans ma bourg. Si tu es qui va voter, tu es là. Si tu es là, tu es là. Pour Anakon, Nazaliwana, le grand serpent,
les champions du Congo. Opération Kanga Mouibi, et Gouédé Bango, Bazonga na Est, Bango Tcha Kimia na Est. Et y'a tout Kimi guerre na Est, ou Kimi Rwanda na Ouganda na Est, yo yia wala gisasa, Bache responsable de la fédération na Est. Ou Kimi Est, ou yena gisa, ou Kimi guerre, c'est un déplacé de guerre. A Kimi guerre, a yena gisasa, toko zongi sa ye, a zonga na Est, kuna, yena moubak, baga no tcha Kimi na Est. Bazo bomba batu na Est. Bandugu yangu vraiment mubaka fami mubaka za muswahili bandugu yangu mako kufa bako violer bango mubaka lo bakate iye pale kina TV alors banene omote bandugu yangu bako violer bango bako bomba non ça c'est très dangereux ya solo bon nombo to comme la suka Daniela Victor à certain Hollande Roselé le peuple d'abord Hollande to malanda junior musalanda bino ebo pese biso yango to yoko joa to boyoki Merci mille mois Namboka. Antonio Boto.